lose. Coucou les loulous. Aujourd'hui on est à Dionville avec les wheelers diaboliques et on a un wheeler Lorrain. Donc on va faire un petit week-end du côté de Troyes. Donc on va faire quelques petites visites, ça va être sympa et profiter. Alors, est-ce qu'on est content d'être là? Nickel, un vrai bonheur. Il y a du vent. La tempête là. Regarde la belle chevelure avec ma belle queue. Et au moins celle-là, je peux la montrer à tout le monde sans être harcelé. Même les petits enfants, ça leur fait plaisir. Non Damien, saute pas, t'es pas si moche, on déconne, oh c'est une blague, j'y crois pas. Merde, nique. Avec un pneu normal, ça glisserait. Hein. Et ce pneu, il est très bien. Et on reprend la Vélovoie des Lacs, qui emprunte un itinéraire varié, mêlant digues, chemins ruraux, bords de plage et pistes sinueuses en pleine forêt. Un vrai plaisir sur une cinquantaine de kilomètres récemment rénovés et habilement mis en valeur. Si vous avez l'occasion de passer à Troyes, n'hésitez plus, faites un tour. C'est juste une petite pause photographique. On se rend pas compte, mais c'est du boulot être Instagrammeur. Hein. Voilà, beaucoup d'émotions, trop d'émotions. Voilà, Damien est très amoureux, il y a eu trop d'émotions. Et nous voilà dans la cité multiséculaire de Troyes, où après avoir évité de justesse le drame, on a pris le temps de se restaurer autour de quelques blagues. C'est un jeune curé qui reprend le confessionnal d'une paroisse. Une dame qui vient se confesser, puis j'étais avec quelqu'un d'autre que mon mari, puis je lui ai fait une fellation. Il dit bah je vais voir pour votre pénitence, mais il est paniqué parce qu'il sait pas trop quoi donner comme pénitence quoi. Donc il sort discrètement de ce confessionnal, il boule un enfant de cœur, il dit qu'est-ce qu'il donnait l'ancien curé pour une pipe? Là il disait l'autre un bounty. C'est un couple, on va voir leur médecin généraliste, parce que bah ils n'arrivent pas à avoir un enfant. Il dit bah docteur, voilà, avec ma femme, on n'y arrive pas quoi, ça fait un an et tout. Ça en a plein le cul, ça fait 10 fois qu'il vient. Mais attendez, allez, madame, là, baissez votre froc. Il baisse son froc, il l'attrape. Blablabla. Il dit alors là, vous la prenez comme ça. Hein? Et après, vous la retournez, vous la prenez comme ça. Ok. Et puis voilà, au bout de 10 minutes, hop, il se rhabille. Et il dit ça, 3 fois par jour. Et le mari dit 3 fois par jour. Il dit oui. Il dit chier, ça va en faire des allers-retours pour vous l'emmener. Pour la meilleure blague dans le sondage. Que penses-tu de ce plan A3? C'est pas mal, ça manque un peu de gonzesse, mais... On aime bien manger. Quel est l'animal qui a le plus de dents au monde? Je sais pas. La petite souris. C'est mignon. C'est mignon. Ah, on est pas dans le même délire. Ah, voilà. Si vous pouvez voter juste là. C'est une bien belle jolie ville là. Vers l'infini et au-delà de 24 km. Bon bah Troyes c'est tout petit, donc maintenant on va rentrer au camping. Garé. Hey, la voilà, classe. Garé.
Bravo. Merci beaucoup. Et la soirée s'est poursuivie jusque très tard, très très tard dans la nuit, sans que l'on puisse vous montrer décemment les images de ce moment joyeux, festif et parfois carrément décalé. Je crois que j'ai commencé par une douche. Parmi oui, sans doute, bien, je... Et pas assez, ça c'est sûr. On dirait une petite tortue. Bonjour. Alors la question ce matin, c'est pas bien dormi, c'est alors... Alors, peu dormi ? Oh, ben, c'est l'autre qui est en retard. Pour cette balade de la deuxième journée, nous avons décidé de la dédier à tous ceux qui n'ont pas pu aboutir dans leur projet du week-end. On pense très fort à Olig, des Huileurs Pro, et Alain Grattard, des Diaboliques. Après un périple de plus de 24 km, nous sommes arrivés à Louz. C'est la Louz. C'est la Louz. C'est la Louz. Bah non, c'est bon. On est passé par des petites routes et on est bien arrivé, mais c'est quand même la Louz ici. La légende raconte que lorsque l'on est au sommet de l'église de Louz, en fait, on voit Toulouse. Une mule ! Toulouse ! Hop là, guys ! Roule ma poule ! Un petit bilan de ce petit week-end ? Ouais, bon, on a fait quelques kilomètres, il faisait moche, puis l'ambiance... Ouais, pas ouf quoi, vraiment, les murs d'Orléans, bon à peu près sympa, mais quand ils veulent quoi, et puis en plus ouais, ils ont picolé, ils sont chiants. Ne l'écoutez pas. Voilà, non, enfin rien d'exceptionnel quoi. On commence à être un peu lassé de ces balades. Bon. On le fait quand même parce que, pour faire bonne figure, mais on paye de sa personne quand même. Ouais, week-end, rien d'exceptionnel, on a roulé quoi, enfin, banal. Ouais, rien de ouf. Rien de ouf, c'est... Banal. Anal ou banal, j'ai pas compris. Banal. Les enfants qui passent derrière, c'est magique. Beurre d'Alsace, bien, mais se le cul. Hein. Oh, oh le cul, on entend des airs. Je l'ai rêvé de bip partout. Alors, ce que les filles, si on a rien compris. Quand t'as parlé d'anal et d'enfants, les gens étaient pas choqués, c'est des Belges. Ça fait de marre du truc. Bon, bah, c'est bon.